Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve non pas pour l'épisode final, enfin je sais pas. J'ai fait un test. Enfin, comment dire? Ah, je vous explique la situation. J'ai oublié de sauvegarder, donc du coup j'ai dû refaire, enfin pas tout, mais juste le centre de contrôle après ma grosse mission d'une demi-heure, enfin grosse entre parenthèses, hein. Et puis ensuite, effectivement, on s'était arrêté dans l'épisode 18, je crois, enfin si j'apprends à compter. On avait repéré un intercepteur qui s'était posé. Lorsque j'ai recommencé ma save, c'est pas un intercepteur, c'était une attaque générale sur Lyon, ce qui a fait baisser la panique partout en Europe. C'est parfait, mis à part l'Inde, en plus ils ont pas de satellite, donc c'est excellent. Tout va bien de ce côté-là. Par contre, j'ai continué un tout petit peu pour voir si je pouvais me rapprocher à un jour de la salle Glop, 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 et on est tombé sur... Regardez ça, commandant. Ça. On vient de repérer un nouveau contact. Il est énorme, et on détecte une puissance incroyable. Il doit être armé jusqu'aux dents. Je crois qu'on peut s'attendre à une résistance farouche. Et effectivement, une grosse attaque au Nigeria, taille très grand, type d'ovni cuirassé. Autant vous dire que si j'avais pas mon vaisseau, on serait dans la merde. Et sachez que j'ai testé et j'étais sur le point de mourir. Donc il faut que j'utilise absolument tous les trucs que j'ai prévus qui me semblaient inutiles parce que j'avais confiance dans le Vulcain. Mais en fait, c'est pas le cas. Et regardez un peu la taille de ce truc. C'est fou. Regardez la taille du vaisseau. Ça fait flipper! Regardez mon petit vaisseau de rien du tout. La taille de... Et puis, vu que c'est quelque chose de nouveau, je me suis dit, allez, on va faire un épisode. Parce que regardez le vaisseau! Oh my gosh! Allez hop! J'espère qu'on va le toucher. Ouais, c'est bon. J'aurais pas utilisé mon esquiver, viser et pister. Le Vulcain serait parti en fumée. Hein. Je précise. Donc, objectif, exploration, taille de l'équipage 23. Ça promet. Je vais faire l'épisode que sur ça, hein, de toute façon. Donc, ceux qui veulent voir les. Peut-être la prétendue fin du jeu. Eh bien, skipper cet épisode, celui-là, c'est juste avant. Éthéré, Goliath, Cyberdisque, Elite, Berserker, Draw des Chrysalis. Oh, y a... oh, le retour des Chrysalis. Et il n'y a pas de Metapod. Ils y sont pas, tant mieux. Donc on va garder Colonel Wiki pour qu'il puisse s'entraîner avec les pouvoirs psychiques. Aptitude psionique, il a toujours rien débloqué. Normal, j'ai dû faire qu'une élimination lors de la dernière fois. Aucun blessé grave lors de la dernière opération, tant mieux. Mais du coup, on va les remplacer. On va en remplacer au moins un. J'ai envie de remplacer... Répliquant. Répliquant. J'ai envie de te garder. Et dans ce cas, on va envoyer Goliath numéro 1. Mais attention, Goliath est équipé en plasmique. Et là, c'est juste la maxi-classe, quoi. Et ouais. J'avais de la thune en réserve, donc je me suis fait un petit projet à la fonderie, histoire de les équiper un peu de... Non, mais beaucoup plus puissante, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas une grosse puissance d'attaque. Là, défense en béton, écoutez, plus possibilité de les réparer. Et là, la ML, incroyable. Et on vous voit plus, les mecs. On dirait que les extraterrestres se sont écrasés... Ah oui, du coup, oui. Ah mais merde, c'était un putain de gros vaisseau, et on l'a intercepté avec le... Ce vaisseau est énorme. Le truc avec le canon plasma. Enfin bref. Et il est plutôt en bon état après un choc pareil. Ah non, quoique, bon, c'est bien. Essayez d'atteindre le pont le plus vite possible. Mais attention, on ne sait pas ce qui vous attend à l'intérieur. Débile! Quand tu dis le plus vite possible, mais attention, ça veut dire qu'on va aller lentement pour pas s'en prendre plein la gueule, espèce de... Mongol, Mongolito, et aïe aïe aïe, on s'approche de la porte, c'est Wiki qui y va. Je pense pas qu'il y ait grand chose, on va quand même se mettre en vigilance. Oh mon dieu, comment je vous aurais fait chier avec ma vigilance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, le Dark s'est mis en vigilance. Oh mon dieu, j'ai trop peur, je me mets en vigilance. Mais en fait, c'est parce que... je dis peut-être une grosse connerie, parce qu'il y a peut-être une option fin de tour. Mais bon, mieux vaut attaquer que de rien faire. Hein. Et puis après, vous allez me dire, ouais, les munitions, tu gaspilles les munitions. Bah oui, je gaspille les munitions, et... Remarque... Avec le projet de la fonderie, j'ai plus aucun problème de munitions. Et combien il a de PV, lui? 18. C'est mieux que la plupart de nos soldats. Et... Ouais, c'est mieux que Final Star. Incroyable. Bon, je propose que ça soit... Non, pas Wiki. Wheezy, ouvre la porte.
Que se passe-t-il? Y a quelqu'un? Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Boum! Nous, on reste planqués, et vous, vous êtes à découvert. Et là, je fais un bide. Oh, le bide! Oh merde, j'ai jeté dans le vide! T'es sérieux? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et bah, fin du tour! J'ai jeté dans le vide, quoi. Aïe, 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 aïe. Bon, on recommence. Le mec, ça fait attention, je vais vous attaquer, attention, vous allez tous mourir. Et en fait, maxi vide, quoi. Ouais, je l'ai bien jeté dans le vide, hein. Ils auraient pu me prévenir, quand même. Bon, allez, hop, cette fois-ci, c'est pas dans le vide. Tu vises mieux que ça, Wheezy. Ta moustache, là. Ouais, on les voit. Incroyable. Bien. Ça change rien au fait que je vais me mettre en vigilance. Non, je déconne. Enfin, non, quoique, je vais me mettre en vigilance. Ah, quoique... Ouais, je peux les buter d'ici, hein. On le bute. Roquette perforante. Allez, on les bute. Rien à foutre, moi, c'est à coup de lance-roquette. Oh, j'ai détruit le matériel. Ah, mais en fait, l'autre... Ah, mais c'est bon, c'est bon. Maintenant, vous vous rapprochez. Moi, j'ai pas envie de bouger, hein. Franchement. Bouger, non mais... Bouger. Pff, quelle idée. Sert à quoi de bouger, sérieux. Pourquoi ne puis-je point avancer? C'est que c'est conneries, maintenant. On peut plus avancer, très bien. Je sais pas pourquoi je suis Keblo, je... Vous voyez, la grille de déplacement, là. Pff, bon. Bah écoute, vigilance alors, hein. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute si on campe. C'est parce que... Putain, mais il était à découvert et tout, là. Allez! Non. Quoi? Hein? Mais... Oula. Est-ce qu'on aurait atterri à Bugland? Oh putain, mais il fait chier, lui. Allez, 5 partout. Tire ses quintés plus, là. On n'a même pas fait un pas, on peut même pas se défendre. Pourquoi je peux pas passer cette fichue porte? Bah ça y est, enfin, on peut tirer. Oh, en même temps, il n'y a plus de mur, tu vas me dire. Chut, incroyable. Fusillade. Allez, on se rapproche, là. Ah, rien à foutre de ces PD, là. Allez, go, 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 go. Patron, montre qui c'est le patron, nom de Dieu. Bim. Oh, genre, il fait peur. Il va nous faire un petit coup de... Moi, je suis King Kong. Non, mais tu te fous de ma gueule. T'en as déjà vu des... Quoi? Oh, yo, 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 yo. Oh putain, mais n'importe, nawank, nawank. Il se fout vraiment de ma gueule, en fait. Attendez. The Sniper. C'est qui? C'est lui. The Sniper peut se sniper. Lui, allez, toi tu dégages. Oh là là, le petit point de vie qui fait chier tout le monde. Oui, vas-y, rapproche-toi. Me dis pas que Wheezy panique. Ok. Ensuite, l'AML. Oh non! Attendez, 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 attendez. Ah ah, psychose. Oh bah toi, tu meurs, hein, allez hop. Tu dégages. Abracadabra. Oh, le faible d'esprit. Oh, déjà que pour de vrai, y a pas un esprit très 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 très, très convaincant. Mais alors là, en plus, s'il meurt en un seul coup... Bon, Final Star n'a pas encore son grade de capitaine de luxe, là. C'est inadmissible. Alors, Final Star, tu vas me faire le plaisir d'abattre cet alien... Quoi? Merde, ouais. Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard, un petit 98% de précision? Oh, je suis à côté. Oh, j'ai décidé de louper. Eh ben oui, ben vois-tu, la machine va te remplacer. Hein, parce que l'avenir, c'est... Non, c'est pas les femelles, parce que les femelles ne peuvent pas... Non, ne peuvent pas. Donc, bah tant pis.
L'avenir ne sera pas composé de machines, mais seulement de femmes de chair et de poitrine. Oh putain! Raymond est à découvert! Ah bah non, c'est Miaou! Miaou n'a plus de couverture! Enfin, là, on avait déjà pas à la base. Et Raymond prend cher. Bon alors, il est hors de question de perdre Raymond. Hein. Ah bah oui, bien sûr, c'est la fête. Bon. Kikoulol, kikoulol. En même temps, quelle idée de se foutre ici, quoi. Et il panique encore. Bah, voyons. Et donc, je peux pas le déplacer. Et ça sent la méga ellipse de la mort qui tue, parce que je vais être dans la merde. Bref. L'AML en position. Bah... Ouais, mais ça fait chier, du coup. Bon, je me mets là. Des soins. Pour notre bon vieux Body Breast. Merde, je me suis soigné moi-même. Quel con. Pff, ça sent le reboot de la partie, là. Oh non, je suis désolé, mais quand ça part mal comme ça, et oh. L'autre, il a peur d'un... Allez, mais vas-y, rate ton coup. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, toi aussi. Ben oui, j'ai raté mon coup. Je suis Goliath et je suis plus efficace qu'une femelle en chaleur. Regardez-moi, je tire avec 84% de précision et je détruis ma... Vous êtes que des bons à rien. Vous n'êtes que des bons à rien. Vous n'êtes que des bons à rien. Le tir est bloqué. Allez. Et j'ai plus que ça. Bon, allez. Ellipse. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous reprends pour une configuration du terrain un tout petit peu différente de la normale. En l'occurrence, ce n'est pas exactement le même vaisseau auquel nous avons affaire. De ce fait, on peut espérer que notre équipe se débrouille un peu mieux, vu qu'elle s'est fait lamentablement mettre en danger à cause d'un certain patron qui n'a pas géré comme un patron, mais plutôt comme une lopette, tel un papilu. De ce fait, bien, même si les papilus ne sont pas au combat, ils nous apportent malgré tout une bonne dose de malchance, ce qui fait que l'on est obligé de tout reset pour pouvoir nous en sortir, et ce n'est pas acceptable. Donc Body Breast, il va s'agir pour toi de faire des efforts si tu veux rester dans l'équipe pour la bataille finale. Autrement, moi c'est simple, hein, ton armure est ultra cheatée, je la file à quelqu'un d'autre et puis basta. Bon, il est vrai que t'as les compétences qui vont avec. Mais, le Dark est susceptible. Et le Dark entend quelque chose, et vous aussi j'espère, de ce côté-là. Je vais parler extraterrestre moi aussi. L'AML ne sait pas ouvrir les portes, l'AML ne sert à rien. La brioche ouvre la porte. Pas d'extraterrestre apparemment. Mais je n'ai point envie de rentrer dans cette espèce de... d'arène de gladiateurs là. Parce que je pense que l'on va tous en souffrir. C'est pour cela que je vais lancer un détecteur. Histoire d'y voir un peu plus clair quand même. Alors, essayons, tâchons de ne pas le lancer dans le vide. Bon, ici ça suffira bien. Allez hop! Un œil dans le ciel et un œil par terre. Nous avons repéré des extraterrestres sans les voir. La musique se déclenche. Je vous avais dit que c'était Bugland ce jeu. Ah bah non, ils sont là. Ok. Nous allons tourner la caméra pour mieux apprécier la configuration du terrain. Donc ils sont ici, très bien. Y a-t-il quelqu'un qui peut se déplacer sans pour autant... Allez, Goliath. Donc, nous avons vu 3 extraterrestres, 4, ok, donc c'est des petits Goliaths de rien du tout en bas, de rien du tout, à l'époque c'était une monstruosité, mais maintenant c'est que dalle, donc 4 extraterrestres en tout, les plus méchants étant ceux avec des putains de carapaces de ouf, et bien nous allons les déglinguer, parce qu'en contrebas je pense pas qu'ils puissent nous faire grand chose, voilà, et bien hasta la vista, hasta la vista. Alors, Wiki ne peut pas s'avancer et prendre trop de risques. Et il peut rien faire, très bien. Parce que le sprint, c'est pas conseillé dans cette situation. Par contre, nos amis commando peuvent se le permettre.
Donc nous avons Brioche, nous avons Final Star, nous avons Body Breast. Fusillade de Body Breast qui, je l'espère, va cette fois-ci bien faire preuve d'un peu plus de comment on appelle ça déjà? Faire un peu plus preuve de testostérone là. Il en a pas assez. Il a pas assez de cuir moustache. Alors, fusillade. Il me semble pas que les Goliaths de base aient la grenade extraterrestre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, c'est pas grave, on se regroupe quand même. Tire à 75% de précision. Et je vois que lui, eh ben dis donc, c'est bien fait niquer là sur ce coup-là. Oh, et je l'ai raté. Final Star. Ça ne va pas bien, ma biche. Ça va pas bien. Voyons voir si Caribou, avec son nouveau flingue, je joue. Super précis, peut le buter lui. Parce que lui, il nous emmerde depuis le début. Ils sont en contrebas, mais rien ne les empêche de nous balancer une belle grenade. Oh, il se TP. Il a décidé de prendre l'ascenseur pour se mettre à couvert et nous tirer dessus. Ah non, il encourage son pote, qui du coup a plus de PV, il me semble. Ou alors a une puissance d'attaque accrue. Il va nous balancer la grenade, j'en étais sûr. Il est rigolo la grenade. Saloperie. Il était une fois Goliath qui affrontait un autre Goliath. Et voilà. Et au final, qui c'est qui reste? Eh bien, c'est Goliath. Mais à savoir lequel? Ça, je ne peux pas trop vous le dire. Alors, comment ça, je suis à découvert? Tu te foudrais pas de ma gueule par hasard? Raymond. Putain, ils peuvent pas se Sprint. Tac. Bon, on va tenter des tirs plutôt. Hein. Mais putain, je suis à découvert. Ah, mais oui, forcément, je suis. Bon, ça sera la dernière que je vais déplacer. On va tenter. Oh, 1% de précision. Énorme. Et là, 35. C'est peut-être un peu mieux, mais c'est peut-être pas non plus. C'est pas non plus la joie. Ah, ou alors je le débusque. Allez, espèce de lopette! Voilà. Il est un peu plus éloigné maintenant. Notre ami Call of Duty s'avance. Et lui se met en vigilance. Bon, par contre, The Sniper! Mais que fait The Sniper? The Sniper ne fait rien du tout. Il va se placer pour le prochain tour, si on survit d'ici là. Pouf! Notre ami va se soigner. Donc, comment on fait pour se soigner? Pour se soigner, on utilise un Medikit. Qu'est-ce que ça me fait chier d'utiliser ça alors que Final Star avait un autre Medikit avec 5, mais bon, c'est pas très grave. Patron, lui se déplace! Go! Raymond voit la cible, mais ce n'a pas eu la fusillade. Dommage, il était à découvert. Alors. Par contre, si les grenades extraterrestres, je peux les envoyer aussi loin qu'eux, c'est des armes de bâtard. Je dirais même que c'est des batarangs. Ok, c'est toujours Bugland. Où est Body Breast? Body Breast est là. Raymond. Bien, Raymond va se placer ici. Il n'a pas peur. Il fonce. Et il voit l'alien. Et donc, est-ce que The Sniper le voit? Il ne voit rien. Normal, vous avez vu à quelle distance il est, l'animal. Eh bien, écoutez, on va aller le rejoindre. Hein. Donc, Final Star va sprinter à cet endroit-là. Grosse connerie que je fais, puisque cette moitié de couverture ne va pas me servir des masses, j'en suis sûr. Wiki. Le pauvre petit Wiki se déplace ici. Je m'étouffe avec toutes ces conneries. On n'avance pas beaucoup là, allez. Puisque c'est. Il y a seulement 23 membres d'équipage là, c'est risible, c'est nul. C'est nul. Vigilance. Et l'AML en mode bourrinos se plaque derrière le mur.
Et non, les ambulances ou pompiers de je ne sais pas quoi qui vient vers moi, vous pouvez repartir, il n'y aura aucun blessé durant cette session. Flemme de faire des coupures au montage, c'est vachement chiant à repérer ces trucs. Mais il se cache l'animal. Mais il se planque, mais c'est un putain de planqué lui. C'est un putain de planqué, mais c'est un nazi. Un nazi. C'est une couverture ça. Allez, go, 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 go. On traverse les flammes, on ne brûle pas puisqu'on a la méga armure. Quoi? Des allumettes? Des allumettes, non mais lol. Truc qui a 3 points de vie. Enfin, je dis ça, en même temps elles sont super chiantes. Hein. Ah, quand même, je repère un alien. Qui c'est? C'est une allumette. Bon, c'est pas grave, ça fera toujours l'affaire. Tu dégages. 100% de précision, voilà. Vaporisé. Bon allez, on se bouge là. Caribou, go, go, go. Putain, c'est pris pour un chien brioche ou quoi celle-là? Allez, oust. On a aussi Final Star. Alors c'est marrant parce que... bon, je suis sûr... Enfin, je suis sûr, non. J'ai déjà la preuve, hein, qui... Merde, je me suis mis... Oh, je me suis mis à couvert comme un porc, en fait, j'ai pas vu. C'est pas grave. Ça forcera l'autre couillon à se déplacer. Bah, je suis sûr qu'il y a déjà un Final Star qui regarde. Mixcom, ça c'est sûr. Bon, ensuite, il y en a d'autres, hein, mais... désolé de pas vous avoir cité, j'ai pas non plus envie de perdre toute mon escouade, voyez. Mais bon... Encore une fois, je vous remercie pour votre... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je vous remercie pour votre fidélité. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il écoute des trucs, des machins. Il bouge, il fait je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, là? Mais c'est des planqués! Mais... Ok. On remarque, du coup... Final Star qui s'est déplacé n'importe comment va pouvoir agir convenablement. Bon, allez. Tu sprintes, là, tu fais pas chier. Oui, hésitez. Oh la vache. J'aurais peut-être dû me mettre mieux à couvert, du coup. Ah ouais, effectivement. C'est chaud bouillant, là. Alors, on se déplace. Du coup, je suis à découvert par rapport à eux, non? Non. Défensive. Vigilance. Vigilance. Là, on va tenter un tir sur celui-ci. Go! Voilà, c'est les soldats d'élite là. On a Final Star qui va faire la même, mais on va s'éloigner. Voilà, on va se séparer un petit peu. Ah merde, je peux rien faire. Bon, c'est pas grave. J'ai pas de grenade avec moi. L'AML, quant à lui, est d'une précision diabolique. On accepte de se prendre une grenade, mais pas deux. Hein. Alors, vous dégagez, s'il vous plaît. Voilà. Code. Call of Duty. Code, qu'est-ce qu'il fait, Code? Code, il voit un ennemi, donc il va faire la psychose. Ou alors, fait paniquer la cible. Allez, vas-y. Je te fais paniquer. Donc, ah, elle panique. Elle est dans l'incap... Enfin non, j'allais dire une connerie. Quoi? J'ai pris des dégâts. Je vois rien, putain. Eh oh, je voudrais savoir si j'ai perdu des points de vie. Elle panique, la bestiole. J'ai rien pris. J'ai rien pris, j'ai juste plus aucune couverture, c'est pas grave. Psychose. Merde, il y a des ennemis derrière. Qu'est-ce que c'est que ces conneries et... Oula, ou alors il y a des ennemis qui sont... Oh, ça fait peur. Brioche. Il est temps de l'abattre. Bien. Et j'aimerais Final Star et sa promotion, nom de Dieu. Hop. Bon, je vois toujours rien. Super, j'aurais dû me déplacer sur le côté. C'est pas grave. Go, 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 AML. Putain. The Sniper. Ah bah dis donc, tout ça pour un pauvre soldat d'élite de la mort. C'est minable. Vigilance pour Body Breast. Activité extraterrestre, nous avons repéré les aliens qui vont nous avoir sur les flancs.
se sont mis à couvert. C'est très con de votre part, messieurs. Puisque nous allons vous cueillir. Hop. Je suis pas sûr qu'on fasse le poids, mais nos amis vont bientôt nous rejoindre. Cependant... The Sniper va se mettre en position un peu plus loin. Je les vois venir de loin, les bougres. Les vilains bougres. Et donc nous avons l'AML qui va se déplacer. C'est la machine qui va prendre les dégâts à la place de l'homme. Et l'homme, lui, se réserve le droit de copuler. Ben oui, c'est le seul privilège qu'on a par rapport à ces tas de ferrailles. Quoique, est-ce que ça existe? Non. Non, je veux pas savoir. C'est comme les extraterrestres, je veux même pas savoir si ça existe. Go! Activité extraterrestre. Il est temps pour vous de réagir, messieurs. Tir réflexe de body blast, 0% de précision, attention! Raté! J'ai raté la cible. Non, sans blague. Mais c'est le planqué de tout à l'heure! Trou du cul, va! Putain, il me fait rater tous mes tirs réflexes, là! Lorsque je vais en avoir besoin, je vais plus en avoir. 4. Super. Et il se met à découvert, bien sûr. Tandis que nos amis se déplacent encore, et le rouge, là, il fait quoi? Moi, je suis un rouge et je me planque. Ah, il tire sur The Sniper. The Sniper a eu chaud, mais il a une couverture pleine. Et je vous ferai dire, monsieur l'alien, que si vous avez la possibilité de me tirer dessus, eh bien, je peux en faire de même. Et vous voyez, la différence, c'est que moi, je peux faire des critiques. Dans ta gueule, son of a bitch. Oh yeah, petit snob de critique. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui, là? T'as cru que tu parlais à qui, là? C'est le patron! C'est le patron que t'es en face de toi, là. Quel sentiment de puissance, là, 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 incroyable! Il est l'heure pour l'AML de rentrer et de faire le ménage. Extermination! Quoi? Ah si, j'en vois, quand même. J'ai eu peur. Bonjour! C'est pour dératisation. Merci. Call of Duty va venir. Oh, je peux me mettre à couvert derrière l'AML. Excellent. Je savais même pas que ça existait, ça. Je ne savais même pas que ça existait. Bon, tu dégages. Par la magie du Saint-Esprit, la Vierge Marie devient... Enfin... La Vierge Marie est enceinte. C'est la magie du Saint-Esprit. Bon, on se bouge, là. Allez, maintenant, on avance. La belle chute. Ça se voit que c'est pas Miaou. Où est Miaou, au fait? Miaou n'est pas présente. Ah mais non, je l'ai... Quoi? Non. Ah non, elle fait des tests psioniques. Oui, j'en ai encore mis 3. Bah oui, mais je sais, 3, au cas où, hein. Vous avez vu à quel point c'est puissant, quand même, les pouvoirs psioniques? Et j'imagine même pas le dernier. Ah, je crois que le dernier, on prend carrément le contrôle d'un ennemi. Oui, c'est ça. Ah, c'est un truc de fou. Vous vous rendez compte? On prend le contrôle de l'ennemi. C'est-à-dire que tu prends un Goliath, tu le retournes contre son pote, et bon, si toi tu meurs, l'alien meurt aussi, mais si l'alien meurt, tu t'en fous, t'es toujours OP. Ça, c'est excellent. Bon, l'AML, s'il te plaît, peux-tu te manier, te déplacer, et puis il sera temps aussi de recharger ses armes, parce que j'ai plus beaucoup de munitions, et parce que les munitions, c'est génial, et parce que quand t'as pas de munitions, t'es dans la merde, et parce que j'aime pas être dans la merde, même si je fais tout pour y être. Pas que je sois scatophile, mais presque. Alors, body breast, rechargement. Notre ami, rechargement. J'ai personne en vigilance, mais c'est pas grave, vu que ce sont tous des plots et qu'ils ne savent pas viser à longue distance. Nous entendons des bruits par là, c'est logique, ils vont pas venir de l'arrière, même s'ils nous ont déjà surpris une seule fois. Et j'avoue que le geste était, était bien tenté. Bon. On va se déplacer. Hein. Wiki en action. Alors lui, il tombe, pareil. Toc, 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 on emprunte l'ascenseur des Sims. Des fois, je confonds si c'est les Sims ou les Simpsons que je fais. C'est pas très grave.
Prochain tour, on attend encore. Petite vigilance qui sert à rien vu que je suis complètement derrière le mur. Rechargement pour l'AML. Genre, on peut le soigner à distance. Ça serait bien. Mais c'est pas possible. Donc on attend. J'attends parce que j'aimerais que The Sniper nous balance un beau détecteur histoire qu'on puisse agir. Et surtout qu'on voit où on met les pieds. Ça serait pas mal. Ouais, quoique. Ouais, non, allez, on s'en fout. Ah, quoique, je veux pas. Si, par contre, on va faire une save parce que ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé. Hop! The Sniper en position! Oh, bonus de visée parce qu'il est surélevé. Et on va sprinter directement ici. Go, 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 Raymond, 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 Raymond. Raymond ne voit personne. On peut se positionner, les gens. Go, Caribou, viens faire la bourre. Oh. Oui, c'est du n'importe quoi, je sais. J'ai envie de me lâcher un peu parce que c'est bientôt la fin. Et je me suis fait entuber avec le DLC puisque je sais toujours pas où sont les missions annexes. Mais bon, c'est moi, hein. Je suis un acheteur compulsif, sachez-le. Mais c'est pas forcément un mal. Par contre, pour mon compte en banque, plutôt. Je vais me déplacer en sprintant. Enfin, plutôt en mettant de turbo. Les extraterrestres vont se pointer. Ah non, ils sont dans cette. Ah bah oui, la porte est ouverte. C'est une invitation au viol. Nous avons vu une allumette. L'allumette n'a rien fait. L'allumette va mourir. Au revoir. Shazam! Excellent ça. Vous imaginez dans la vraie vie? Tu pointes la paume de ta main vers ton ennemi et celui-ci se désintègre. Ce serait juste excellentissime. Bon, des groupes de 3, allez hop. Et Wheezy il est tout seul parce que c'est un sans-ami. Un petit sprint. Toc 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 toc. Go 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 go. Hé, Final Star, un petit sprint. Go, 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 traverse les flammes. Ah, je brûle. Mais non, parce que c'est la marche du feu. Et on ne peut pas mourir. Tant que la volonté y est. Par contre, là, ça a l'air d'être. J'ai cru que c'était du magma. Et franchement, du magma. Ça aurait été un peu abusé, non? Allez. Go, 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 go. Body Breast. Patron! C'est bon. Les extraterrestres ne sont pas là pour le moment. Sachez que je ne traverserai pas la porte tant que ce nuage de fumée ne se sera pas dissipé. Je n'ai point envie d'être empoisonné pour le moment. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon ok, je vais peut-être pouvoir le traverser vu qu'il a mystérieusement disparu dans les... Ah bah non, il n'a pas disparu, c'est juste un beau bug. C'est pas grave, vigilance et vigilance aussi, mais de l'autre côté, histoire que l'on puisse se couvrir tous les flancs. Ensuite, Final Star. Hop, vigilance. J'attends, je suis désolé, prudence, parce que quand on rentre dans une nouvelle zone, on ne sait ni combien il y a d'extraterrestres derrière, ni qui ils sont, ni la disposition, leur placement. Et j'ai envie de dire, c'est dangereux d'y aller en ne connaissant pas toutes ces informations. Bon, il est évident que le sniper ne sert plus à rien sur sa corniche, donc The Sniper va se déporter ici. Et il va. Est-ce que j'ai un endroit pour me mettre à couvert? Ouais, go. Non, mais y a personne en fait! Il y avait une allumette. Et... L'allumette du diable. Elle était seule, en train de boire l'apéro. Et on l'a dérangée pendant qu'elle était en train de siroter pendant ses. Pendant son temps de travail. Et... Voilà, il y avait personne. Très bien. Et écoutez. M'apprendra à faire confiance à des aliens qui veulent se faire passer pour les Men in Black. D'autant plus que. Bon, peut-être me faire détester, mais j'aime pas trop le film, quoi. Enfin, les films. Enfin. Je m'accroche pas trop au délire. Mais c'est pas grave, hein. Je vous en veux pas. Oh putain, je sens que je vais me prendre des commentaires haineux, c'est parti. Vigilance. Bon, The Sniper, là, qu'est-ce que tu branles?
Et il peut même pas se déplacer, c'est honteux. C'est honteux, allez, tu es à la traîne, oh là là, il est mieux dans les terrains extérieurs. Le commando peut courir, à la différence de ses petits camarades, c'est pour ça qu'il va rester en arrière. Pour ne pas occuper la précieuse place près de la porte qui diffuse une chaleur fort agréable, c'est pour ça que tout le monde se colle près d'elle. Final Star est en train de s'accoupler avec un robot dans le coin, là, voilà. C'est un beau robot qui fait office de protection. Je vais me faire entuber, je sens. Non, c'est bon. Parce qu'il y avait un petit truc sur le côté. Hein. Oulala. J'ai très peur. J'ouvre. Parce que je suis un fou. Holy shit. Mayday, mayday, mayday. Il y a le gros sectopode de merde là. Purée, j'ai peur. Fumille. Merci. J'ai pas envie de détruire ma couverture. J'ai pas envie de faire la psychose. On le fait paniquer. Ouais, mais non. Débusquement. Ouais, je m'en fous, je tire. Voilà. Dans la mer, j'aurais dû y être à plusieurs là parce que. Tire au réflexe! Oui. Excellent. Maintenant, c'est au tour. Je peux pas en avoir un seul d'ici. Putain, ils servent à rien. Vite. Non, c'est mieux. On va jouer la prudence. Parce que c'est bien beau les pouvoirs psioniques, mais ça ne nous garantit pas la victoire. Ah, mais je peux refaire un. Excellent! Ah oui, c'est si j'ai pas bougé, c'est vrai. Oh, vas-y, panique! La panique! Vas-y, vas-y, attaque tes potes là. Attaque tes potes, t'as peur! Putain. Bah ouais, mais en fait, non, c'est de la merde. Alors. The Sniper. Hop. Vite, et les autres vont venir en soutien. Donc là, j'ai aucune idée de savoir s'il y a des gens. Je m'en fous, il va bien falloir que je tente quelque chose. Donc, on se déplace. Je peux tirer. Bon bah de toute façon. Go! Voilà, bon, c'était bien beau la panique, mais en fait, il y a trop d'ennemis. L'AML risque fortement d'être détruit, peu importe, c'est une machine, c'est le but. Qu'elle prenne des dégâts. Et donc forcément, par la force des. Non, bon, en fait, j'ai minimisé les pertes parce que ces trucs-là, c'est juste super cher. Oh purée, les. Comment ça s'appelle déjà? Les chrysalis. Ah, ils font chier, eux. Bon, c'est pas grave. Oh là là, oh là là, oh là là. La machine risque de ne pas durer. Un conseil Final Star? Cours. Ah non, il s'est mis en vigilance. Je crois que c'est la maxi-vigilance de la mort qui tue, là. Genre, ta gueule. Tu sais quoi? Ta gueule. Alors attendez, je fais une save là parce que cette vigilance là, elle est particulière. Je crois qu'il peut agir deux fois. C'est juste un truc de fou. Une fois, il m'en a tué trois d'un coup. Justement lors de la mission précédente. C'est très violent. The Sniper. Mais à quoi sert le sniper? En déco. Déco, déco. Ok, ensuite. D'abord se débarrasser de la menace immédiate. Oh la vache. Bon. Tu crèves.
vouloir me déchiqueter ma pupute là. Grenade. Quoi, grenade frag? T'es même pas équipé des grenades extraterrestres? Espèce d'enculé, va! Enculé! 12, oula, ouais, effectivement, il est en colère. Et il tire deux fois! Enculé de Don! Ouh, 24 points de vie! Qu'est-ce que c'est que ce mec là? J'y crois pas, mais qu'est-ce que c'est que ce Gus là? Allez hop! 4. C'est le moment, ou jamais, de prendre des risques. Body Breast! Oh putain, quel con! J'ai fait vigilance! Non mais dans la catégorie débile. Putain! Je voulais faire fusillade! Nom de Dieu! Ah non! Non, mais non. Bah ouais, mais non, là. Mon AML, bordel, ça coûte cher, ces trucs. Oui, oui, voilà, et l'autre se fait rafistoler. Non, mais il s'est cru où, là? On n'est pas chez Jackie, hein. Chut. Body Breast. Putain, mon AML, quoi! Chier! Je fais une sauvegarde à part. Il y a un ras-le-bol, là, de toutes ces conneries. Fusillade! Là, Final Star, elle est pas contente. Elle court! Putain, c'est une vigilance, ouais, je le savais. Réflexe éclair. Mais voilà, le truc, c'est que c'est deux fois, je crois, non? Je suis pas sûr, non. C'est bon. Va mourir. Putain, je rate mon tir. Je rate mon tir. Je rate mon tir. Je rate mon tir. Tu dégages, saloperie. Il veut pas dégager. Qui c'est qui peut avoir le sniper? The sniper peut avoir qui? The sniper aurait dû se débarrasser de lui. Mais the sniper est débile. What the fuck? Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh! Double coup, t'as intérêt à l'avoir cette fois-ci, Trouduc. Putain, belle prestation là, et maintenant c'est la merde. Falloir se repayer un Goliath là. Enfin bon, c'était surtout. Non, je pense. Pour la mission finale, j'ai pas envie d'en avoir un, c'est pas la classe. Deux coups. Non, passe pas. J'ai raté la cible. Eh ben écoute. Ah merde. Tupilou, pilou, boum. J'ai touché, Est-ce qu'il est mort? XCOM, ennemi unbug. Bon, j'ai touché quoi là? Vous savez quoi? Je vais recharger parce que une poisse pareille, c'est juste pas possible. Je vais sûrement recharger. Je vais rater, comme par hasard. Voilà. Tu peux en tuer, hein. Ah, je me remets bien. Tu peux en tuer, c'est bon, hein. Moi, je m'en fous. Ils sont tous nuls de toute façon. Allez. On tente le tir, au cas où t'aurais pas eu Body Breast par hasard. Allez. Oh, toi aussi t'es mauvais, dis donc. Il est mauvais. Ou il est mauvais. Ou il est pas content. Oh. Oh, et on le répare. Oh, c'est choupignou, c'est trop mignon. Saloperie. Toi, tu sers à rien, putain. Tu sers à rien. Crève, 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 crève! Mais genre, l'autre il survit à l'explosion, mais qui coulole? Qui coulole? C'est plus un problème. Si tu veux, tu peux recharger. Chargé.
Tu peux recharger. Et tu peux recharger. Tu peux soigner quelqu'un aussi. Bah, faudrait peut-être qu'elle. Ah non, elle peut pas ramener son cul. C'est pas là. Hop, on va y aller. Et on va attendre. Je suis très énervé d'avoir perdu mon AML. Non mais je vous jure, là c'est. C'est juste pas possible. Parce que l'autre il nous a fait la pluie de météorites à Armageddon à l'attaque. Et tout ça parce que. Je sais même plus qui a fait la faute. Franchement. Putain, what the fuck? C'est quoi ce vaisseau de ouf? Faut aller par. Ouais non, ok, j'ai vu. Faut aller. Faut passer par la grande porte. Voilà, tout ça parce que. C'est bon, moi j'arrête. Hein. Je cherche même plus à discuter. C'est que des conneries là. Intéresse que je me souvienne plus de celui qui a foiré. Parce que franchement. Allez, ça va tout tomber sur Wheezy. Parce que Wheezy était très très loin. Wheezy ne sait. Franchement, un sniper en intérieur, mais c'est la dernière fois que j'en amène un. Hein, franchement. Ça ne sert à rien. Lors des missions en extérieur, je dis pas, c'est la meilleure chose à faire. Mais alors en intérieur. Tu peux rien faire, tu peux pas t'approcher puisque. Bah, vous savez, lorsqu'il est trop près, il sert à rien. Et tu peux pas non plus. Enfin, tu peux pas non plus le laisser à distance puisqu'il y a des tas de couloirs qui te bouchent la vue. Donc, non, un sniper en intérieur, c'est bidon. On avance. On a pas peur là, il y en a marre. Et l'autre là, qui coulole, ça y est, il est allé pour un psychique, il prend même pas la peine de prendre des grenades extraterrestres. Non mais. C'est pas qu'il y a un peu de la rage, mais quand même. Body Breast qui a paniqué au tout début de l'épisode. Alors ça déjà, ça m'a mis la mort parce que. Parce que c'est patron, quoi. Patron, il panique pas. Patron gère la situation. Patron est maître de ses émotions. Patron est par conséquent celui sur qui on peut compter. Et si le leader panique, eh bien je peux vous dire qu'on est un peu dans la merde. Hein. Enfin bon, Final Star s'est bien vengé. Je sais pas quand est-ce qu'elle obtiendra sa promotion. Mais en attendant. C'était quoi? Eh bien oui. C'était quoi? C'était peut-être ta promotion. Tiens. Parce que pour avoir une promotion, il faut buter des aliens. C'est dans cette salle, la salle au trésor. Nous allons pouvoir nous y aventurer une fois que tout le monde sera au complet. Parce que oui, monsieur The Sniper, on est peut-être un peu ne plus ramer du cul. Et essayer tant bien que mal d'avancer et de suivre la progression de ses chers petits camarades. Histoire de ne pas rester spectateur. Et c'est pas parce que tu as buté le plus d'extraterrestres que tu peux te permettre le luxe de ne rien glander. Parce que oui, mon petit, n'oublie pas que tu fais partie du projet XCOM. Et c'est pas une association. Nous sommes une entreprise très sérieuse, financée par les différents états du monde. Et par conséquent, il va falloir que tu apprennes qu'ici, tu as un salaire et que ce salaire, il faut que tu le mérites. D'accord? Dès que tu auras compris ça. Et eh bien, tu auras droit à des cacahuètes. Tu sprintes. Et tu ouvriras la porte, vu que tu sers à rien. Les autres se mettent en position. Donc, je veux Body Breast. Putain. J'ai fait que me déplacer. J'ai pas voulu vous attaquer. Je vous le jure. Je vous le jure, monsieur le président. Ben oui, je sais qu'ils sont derrière. Quoi, qu'est-ce que c'est? J'y crois pas. Ah, il y a l'autre éthéré de merde là qui. C'est juste un truc de fou celui-là. Je vais me soigner parce qu'à tous les coups, ça va être un combat de ouf. Voilà. J'ai personne en vigilance. Bonjour. Je vous appelle par votre petit nom. Ah, c'est Gertrude. Bien, enchanté Gertrude. Bon, bah, c'était cool. C'est quand qu'on attaque? Dixie le mec. Non, pas chargé. Je m'étais déjà fait avoir une seule fois par chargé. Je recommence plus. Go. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais!
Bon, en fait, je fais juste un test. Un brin, un brin, un brin. Oh, on peut lui infliger des dommages. Mais bon, rigole pas, c'est des dommages de merde que t'as fait. Donc, on recharge. Désolé, mais là, c'était juste complètement irrationnel de ma part de faire ça. Non, en fait, j'ai très mal joué parce que je pensais qu'il était tout seul. Donc, ici, on ouvre la porte. On se met direct en vigilance. Pareil pour elle. Et Final Star va les rejoindre ici. Go, 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 go. Bien. Alors. On les entend. Je veux pas les voir pour le moment. Tire réflexe! Dans le mur! Etheré a renvoyé l'attaque. Etheré va vous tuer. Final Star, tire réflexe! Envoyez l'attaque. Putain, c'est quoi ce mec de ouf là? Attends, je me suis pris des dégâts? LOL. Attends, mais LOL? Dégage! Oh putain, raté! Eh mais il fallait avoir l'autre, bande de cons! Oh, coucou, on est là. Allez! Tu te tires! Mais putain, mais d'où il nous rate? Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'autre, il me renvoie toutes mes attaques! Mais, lol. Bon. Wheezy. Wheezy, Wheezy, Wheezy. Il est tout seul. On peut le niquer quand même. Allez, c'est l'heure de le buter là. Et je prends pas de risque. Go! Bon, c'est pareil, c'est la même précision. Voilà. Ah, en fait, il. Ok, c'est tir réflexe qui l'esquive. Ok. Bon, j'ai deux tirs. Si je bouge pas, donc autant dire que toi, t'es mort. Allez, oust! Voilà. Plus de éthéré. Hein? J'ai empoisonné? Non? Très bien. Go. Oula! C'est quoi encore tous ces ennemis là? Bon, défensive là. 83, ouais, mais putain, hé! Ils sont où les autres? Bon, attendez, je fais encore une sauvegarde. Incroyable! Incroyable! Go! J'en ai derrière moi, je crois. Bon, allez, c'est parti. Toi, tu gicles. Je suis encore à découvert là. Ouais, putain. Ah merde, c'est une allumette! L'allumette ne mourra pas! Oh merde, il y en a deux. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je me le prends au cac. Je voulais pas être empoisonné. Fais chier. D'accord. Je suis là, à côté. T'aurais pu me toucher, hein. Bon, alors lui, par contre, il... Il fait une attaque de ouf, là. Bon, c'est fini les conneries, là. Allez. Donc, toi, tu dégages. Est-ce qu'il y en a un ras-le-bol de voir ta gueule? 10. Et le double coup. Et c'est le tir, c'est quinté plus pour Wheezy. Ta gueule. 8. D'accord, 8, 9. Ah, ok, il y a un tir réflexe parce que... Oula, c'est chelou, ça, un tir réflexe. Très bien. Ce que j'ai peur, par contre, c'est de voir combien de temps ils vont être blessés, tous, pour la mission finale. On verra, de toute façon, s'ils nous laissent tranquilles. Chose que j'espère. Alors, soldat suivant. Caribou. Bon, pourquoi je peux plus... Oula. Je peux plus me dé... Ah, non, me dites pas... Bon, attendez. Je re... Bon, re, donc pour une raison que j'ignore, mon clavier a rendu l'âme. Donc je vais jouer sans clavier. C'est cool.
C'est pas grave. Heureusement, il y a une belle interface pour jouer. Le problème, c'est que je sais pas comment je vais faire pour sauvegarder. Bref, on s'en fout. Donc, je voulais du coup déplacer Final Star. Voilà, histoire qu'elle tire. Attends. Non, elle peut pas se déplacer. Bon, on s'en fout. Finir ça et que je règle ce problème technique. Donc, go. Allez. Putain, j'ai raté. Ben oui, mais... On peut pas se déplacer? Oula, il y a un bug violent là. Je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est le jeu. Je sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Oula, j'ai la moitié des trucs qui marchent là. Je peux plus sprinter. Ok. Si tu veux. En fait, je peux plus me déplacer, c'est ça le truc. Ok, bon, je finis mon tour, c'est pas grave. Ah oui, mais putain, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Matos de merde. Ok, je peux plus bouger, c'est la fête. Bon, tue-le. Je t'en prie, tue-le. Merci. Encore une victoire pour nous. Agent XCOM perdu, ouais, mais non, c'est pas un agent XCOM. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sérieux? Je pouvais plus sauvegarder, je pouvais plus. Enfin, je pouvais plus rien faire. C'est complètement buggé à cause de ça. Maintenant, Body Breast va rester convalescent un bon moment. Bon, ça remarche. C'est mon clavier qui déco. Mais non, attends. Ramson, oui. Blessé trop. Blessé 5 jours! Ah, mais non, c'est. Quoi? Ah, bah non, ok, il a pas été blessé. Des nouvelles recherches! Yes! Ouh là là, ouh là là, ouh là là, excellent. Ouh! Ok, alors attends. Mais ça remarche. Ou alors c'est la partie qui a complètement buggé. C'est complètement buggé la partie là. Ah, j'ai eu peur! J'ai cru. Bon, mon matos c'est de la merde parce que, vous voyez, les. Ne prenez jamais, mais au grand jamais, ne prenez jamais de clavier et de souris sans fil. Parce que le jour où le petit bidule récepteur à la Wi-Fi ne marche plus, eh bien vous êtes baisé. Donc ne le prenez pas, puis en plus ça bouffe des piles, c'est affreux. Ouais, mais en fait je comprenais pas parce qu'il y avait les trois quarts des trucs qui marchaient. La souris, je pouvais la déplacer, mais je pouvais pas faire clic droit ou clic gauche pour me déplacer, mais je pouvais valider les actions. Enfin, c'était bizarre. On s'en fout. Je re-sauvegarde une nouvelle fois parce que j'ai très de peur. Aïe aïe. Commencer un nouveau projet de recherche. Alors, l'épave du cuirassé OVNI nous a fourni de nombreux matériaux en générateur de recherche approfondie. Une arme. RR, extrêmement puissante. Ok, et le lanceur nucléaire guidé. Eh bien. On s'en fout, on va faire les deux. D'abord le lance à fusion. Yes. Production, installation. Ma production. C'est trop tentant. AML à alliage. Go! Ça c'est bien. L'AML volant, on s'en fout. Ah, attendez, je vais me refaire des matrices là. Matrice de défense. Hop. Parce que ça nous a bien servi, n'empêche. Hein. Pistage d'OVNI. Et l'acquisition satellite. Voilà. Alliage 666. Mensuel plus 804. Liste des soldats. Psylab, encore 7 jours pour Miaou, Kizalol et Mister V. Ok. Centre de formation, novice, on s'en fout. Centre, liste des soldats, donc l'aptitude psionique, il a eu un gain. Et donc la dernière, c'est soit créer un champ télékinétique fixe qui détourne et dévie les attaques pendant le tour ennemi, donnant plus 40 de bonus de défense aux alliés et aux ennemis s'y trouvant. Soit technique psionique très délicate permettant de contrôler la cible pendant 3 tours. Inefficace sur les robots ennemis. Eh bien écoutez, moi, c'est un grenadier que j'ai, pas une lopette. Ouais!
Je peux contrôler les ennemis, ça c'est cool. Par contre, double grenade extraterrestre. Merci du con. J'ai pas l'arme lourde, mais si, je l'ai normalement. Le truc plasmique lourd là. Fusil plasmique, pistolet plasmique. Je l'ai pas. Ça n'existe pas, il n'y a que le truc laser, c'est ça? Bon, pourquoi pas. Extrait de... Ouais, bon, non, ça je m'en fous, je le fais pas pour le moment. C'est quoi ça? Arme plasmique. Ah bah voilà! C'est ça que je veux. Go! Et on va le filer à Wiki. Non, pas à lui, ni à lui, c'est à lui. Parce que bon, c'est dommage qu'il ait pas eu un super équipement, hein, donc. Hop! Oh, ouh, oh, ça c'est du bel engin. Ouh, ça fait plaisir. Dommage que les explosifs n'augmentent pas. Mais bon, en même temps, ils sont complètement craqués, les trucs. D'accord. Et donc, dans un jour, la salle galop est prête. Et on va voir si je peux récupérer mes soldats blessés. Sinon, c'est tant pis. Qu'est-ce que... Ah! Tout ça pour ça. Ils ont posé le truc au milieu. Et ils ont mis de la flotte. Et ça a pris une semaine. Oui, bah. Oui, pourquoi pas? La salle galope! Et on n'en fait rien de cette salle galope? On peut aller à la salle galope! Excellent! Bon, attendez, je surveille l'activité. Merde! Commandant, on suit plusieurs tentatives d'enlèvement sur l'hologlobe. J'ai enregistré les coordonnées. Ils nous font chier. Pas envie d'aller voir l'hologlobe. Bon, on va directement à la salle Golop, hein. Tant pis. Je sais pas qui c'est qui est absent au combat. Je crois que c'est Wheezy et... Bon, on verra bien. Centre de con. Donc, salle Golop. Hop, on l'a déjà vu. Voilà. Non, on surveille rien du tout. Salle Golop. Une fois que notre volontaire sera dans la salle, nous ne pourrons plus faire demi-tour. C'est le point culminant de nos recherches. Je doute que nous soyons capables d'aller plus loin. Donc c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Voyons voir la liste des soldats disponibles. Blessé 4 jours et 2 jours. Et il nous reste... Ça me fait chier pour vous ici. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je fais du off pendant quelques temps, histoire de récupérer les lances à fusion, etc. Voir si je peux m'équiper au maximum. Je pense jouer jusqu'au rapport du conseil. M'équiper comme il faut et puis partir pour la salle Golop et la fin du jeu, grosso modo. Hein. C'est ça le truc. Donc voilà, je vous donne rendez-vous donc pour, je l'espère, l'ultime épisode. Donc, ça sera le numéro 20, si je ne me trompe pas, si je ne me suis pas planté dans la numérotation. Et il sera peut-être long, il sera peut-être court, en tout cas il sera intense. Et je vous dis à bientôt et merci encore pour votre attention. Sur ce, ciao ciao!